Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Bogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau quiz, c'est le quiz sur Disney épisode 3. Nous avions fait quel méchant nous étions, quelle princesse nous étions et maintenant nous allons faire quelle chanson Disney nous sommes. C'est parti, alors première question, nous sommes toujours sur Tobito, parce qu'il y a de bons quiz sur Tobito. Première question, quelle héroïne Disney invites-tu à danser un slow? Mulan, réponse, Pocahontas, Tiana, Kida Kazash, Nala. Je sais pas. Bon, je suis de retour, j'ai dû chasser une mouche. La joie. Bon, du coup, invite un slow. Je sais pas en fait. Je sais pas qui est Kida, machin, chute chose. J'ai pas dû voir le film. Danser un slow avec un lion, ça va être chaud. Pocahontas, ça fait très longtemps que j'ai vu, mais du coup je me rappelle plus. Pareil pour Mulan. Tiana, jamais vu son film. On va choisir réponse, mais c'est le. Genre, pourquoi ils ont mis en même temps les princesses les plus récentes? Je sais pas. Quel héros Disney ne laisses-tu pas dormir dans la baignoire? Cusco, Aladdin, Jim Hawkins, Tarzan, Eric ou Navin? Lui? Quel méchant Disney est le plus méchant dans le domaine de la méchanceté? Scar, Jafar, Hadès, Ursula, Hans ou Maléfique? Je dirais Scar parce que c'est le roi lion et j'aime bien le roi lion. Quel animal Disney aimerais-tu avoir comme ami? Cheshire, Miko, Mouchou, Panpan, Maximus ou Balou? En vrai, Cheshire me tente bien. Ouais, on va prendre Cheshire, même si j'ai jamais regardé Alice au pays des merveilles. Quelle lettre du mot Disney te rappelle le plus les dernières courses que tu as faites au supermarché le plus proche? D, I, S, N, E ou Y? Je dirais le D. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Quel aimant représente le mieux ton caractère? L'eau, le feu? L'air ou la raclette? L'air. Bon, la raclette, c'est pas tellement un élément, on va dire. Quelle phrase inspirante caractérise le mieux ta capacité à traverser la route? La stratosphère est un mythe, seul Dieu peut me juger. Non. Seul un juge peut me juger si j'enfreins la loi. Enchanté, je m'appelle Teuse. La stratosphère est la limite, c'est le seul truc potable que je trouve. Tu préfères manger du poisson pané? Non. La couleur rouge? Ouvrir une porte. Couleur rouge. Tu préfères coucher avec un de tes parents? Nope. Sentir la douleur de l'accouchement quand tu te laves les cheveux? Nope. Aller en prison pendant 10 ans? Ah putain. Ah ça au moins c'est fini, mais après qu'est-ce que je fais? Je vais me faire chier pendant 10 ans. Ah, la fameuse question de la poutre. Quel poutre détient le plus de magnésium? J'en sais rien. La poutre narcotrafiquante, la poutre jumelée à une ville d'Espagne, la poutre postant l'ASSR deuxième niveau, la poutre en position de gainage, la poutre qui a un impact pas grand qu'une. Oh, j'ai perdu la poutre. Ah, je suis perdu, on va mettre gainage parce que c'est de la gym et poutre c'est de la gym également. Du coup, nous sommes le rêve bleu d'Aladin. Alors, qualité. Tu es BG de ouf, tu peux shooter qui tu veux, quand tu veux. Tu as été créé physiquement pour incarner la beauté vers l'état pur. Tu pourrais changer un mulet qui te plairait toujours. Défaut, déjà tu te débrasses jamais la table, ce qui est très chiant. Et en plus, tu es une brêle en bilboquet. Une fois tu as goûté ton vomi et tu as apprécié ça. Ok, on va changer ça. Du coup, voilà, ce quiz est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, très bientôt pour une prochaine aventure. C'était Bogan5, enjoy!